Bonsoir, j'espère que mon problème d'éclairage est résolu. J'ai changé un peu les lampes. Donc, de temps en temps, je reçois des surprises et cette fois-ci, c'est une bonne surprise puisque c'est gearbest.com qui m'envoie une montre connectée. Donc, il m'avait proposé de m'envoyer soit un picoprojecteur, soit une montre connectée et j'avais choisi la montre connectée en pensant que je ne la recevrais pas. Donc, je suis super content. Et je vais pouvoir vous faire une démonstration, je vais l'ouvrir avec vous. Donc déjà, un petit emballage assez qualitatif, on va dire. Boîte. Le prix, ben, je vous l'afficherai dans la vidéo, parce que je ne m'en souviens pas. Donc c'est une montre pas mal, hein, esthétiquement. Donc, elle a l'air assez bien. Donc une petite protection. Je le vois en même temps. J'ai pas fait une pré-ouverture. Vous la découvrez en même temps que moi. Donc derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un capteur. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo. Un capteur. Il y a deux capteurs. Un capteur. Ça doit être pour la recharger ou je ne sais pas. Les petites aérations. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Si j'appuie sur le bouton, il se passe quoi? Il se passe rien. Alors, il faut que je lise le mode d'emploi pour l'allumer. Cage, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on va savoir. Un câble USB pour la recharger et un petit manuel, bien entendu. Un petit manuel à remplir. Qu'est-ce qu'ils disent dans le manuel? Deuxième partie. 1, 2, 3. Deuxième partie de la vidéo, donc ça fait 3 jours que j'exploite la montre et il y a des fonctions qui m'ont beaucoup plu. Donc je vais essayer de vous les montrer. Alors, vous pourrez zoomer sur votre YouTube préféré puisque ça sera sur YouTube. Et vous avez aussi le droit d'aller voir les autres vidéos que j'ai faites pour d'autres produits. Donc là, la montre est déjà connectée en Bluetooth, donc on va se passer de ça. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, principalement, c'est des fonctions que j'ai adorées. Donc, le pédomètre, ça c'est vraiment une fonction que j'ai adorée. C'est juste pour savoir combien de pas on peut faire dans une journée. Alors, c'est pas hyper précis. Bon, là, c'est la calculatrice. Hein. C'est pas hyper précis, mais ça donne une bonne idée de combien on peut parcourir de kilomètres dans une journée. Donc, cette fonction pédomètre, j'ai pas le droit aujourd'hui. Elle est. Bon, et alors, c'est pas facile quand on n'utilise pas sa montre préférée. Ok. Alors ça sert à vous réveiller, par exemple, quand vous êtes dans l'avion. Si c'est pour que vous marchiez un petit peu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je fais une autre vidéo et tout a fonctionné correctement. Là c'est le volant du soir. On va y arriver, ça, on s'en fiche. Hop. Je vais quand même vous montrer le pédomètre. Ça, c'est... Voilà, le pédomètre. Donc on voit qu'aujourd'hui j'ai fait, pour ceux qui arrivent à lire, 9229 pas et 5 km. Donc les autres fonctions qui sont très bien, c'est la capture via le téléphone. Donc lorsque vous appuyez sur ce gentil bouton, on vous demande Android ou iOS. Et si vous appuyez, ça va juste allumer la caméra du téléphone. Donc comme c'est ce téléphone là qui est actif, si j'allume la caméra vers le bas, on ne verra rien du tout. Ça c'est la petite BT Music. Alors voilà, ça sert à écouter la musique sur son téléphone. Alors après, évidemment, on peut monter le volume. Alors, je crois que ça se fait avec ça. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Elle est fatiguée, la montre. Changer de morceau, monter le volume quand ça veut. Eh bien, je sais pas ce qui se passe. C'est la démo foireuse. Voilà. On laisse ma connexion. Alors, je vais pas recharger la montre avant de faire cette démo. Okay. Donc voilà, juste me dire que la capacité de la montre est pas ça. Bon,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut appeler un numéro à partir de la montre, on peut recevoir des notifications SMS, et c'est là que c'est drôlement intéressant. Donc avec ce téléphone-là, je vais envoyer un test. Et vous allez voir, pas, et alors, oui. Voilà, on a reçu le message et on peut le lire, donc c'est test 2. Donc là, on n'est pas obligé de regarder ce qui se passe. Donc après, dans les fonctions, on peut regarder sa messagerie. Alors, ce sont les SMS. Vous voyez, j'ai déjà fait quelques tests. On a le journal d'appel. On a... Ça, c'est pour trouver des... Alors, c'est pas un moteur de recherche du tout. C'est juste pour trouver s'il y a d'autres Bluetooth low basse consommation aux alentours. Ça sert à connecter une montre ou l'autre. Vous montrer, donc là on est connecté avec celui-là, mais je peux très bien connecter avec l'autre parce que j'ai essayé avec les deux montres. En calendrier, je vous explique pas ce que c'est. Le podomètre, je vous ai expliqué, on peut s'en servir d'alarme évidemment. Moniteur de sommeil, alors ça vous dit juste combien de temps vous avez dormi et si vous avez bien dormi. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est un peu mystérieux, mais ça se fait très bien. Ça, c'est le nombre de pulsations. Donc tout à l'heure, j'ai fait un test. En live, mais ça prend un peu de temps, donc on va pas le refaire. On peut enregistrer, alors la mémoire s'enregistre visiblement dans la mémoire de la montre, et malheureusement c'est pas très très, il n'y a pas beaucoup de mémoire, donc on enregistrera pas grand chose. Économie d'énergie, un chronomètre, je vous explique pas comment ça fonctionne, hein. C'est plus qu'un chronomètre, hein. Hop. On peut mettre des laps time autant qu'on veut, hop, j'arrête, et on peut voilà. Donc après on peut les consulter, donc ça peut être pas mal pour les sportifs qui veulent se mettre des chronomètres, comme ça c'est accessible. L'horloge, je vous explique pas, on choisit le type d'horloge, on peut changer, ok, si je reviens, voilà, on a changé l'horloge, on s'est mis une horloge différente, chacun ses goûts. Ça permet de changer l'interface. Si l'interface de la montre vous plaît pas trop, vous pouvez changer. Il y a une calculatrice, alors ça c'est vachement pratique. Moi je m'en sers énormément lorsque je suis au monoprix. On peut utiliser des thèmes, comme vous pouvez le voir. On peut réceptionner un appel aussi. Alors, je vais essayer de vous le faire en direct. Hop. Donc c'est ce téléphone qui appelle celui-là, mais qui va être déclenché par la montre. Voilà comment ça se passe. Je raccroche. Alors, je sais pas ce qu'on met doigt. Parce qu'elle a démo de tout à l'heure, j'ai eu aucun problème. Appel terminé, il faut que je raccroche, sinon on va avoir un message répondeur. On peut modifier alors, le volume en écoute, il suffit de monter ou descendre avec son doigt. Donc moi, cette montre, c'est une vraie surprise, c'est vraiment très agréable, c'est absolument abominable, mais dans le bon sens du terme, d'avoir les notifications sur son poignet, c'est abominable de parler à son poignet. On comprend parfaitement votre interlocuteur et votre interlocuteur comprend parfaitement. Donc l'avantage d'avoir ce genre d'outil, c'est que votre téléphone, vous le laissez dans votre sacoche et vous n'avez plus à vous en occuper directement. Vous recevez tout sur le téléphone. Alors on peut accéder à son annuaire, on peut... voilà, donc... Bon, moi j'ai plein de mails avant. Donc, j'espère que je ne vais pas appeler parce qu'il va être content. Accès au journal d'appel, accès au CMS, composer un numéro de téléphone, on peut tout faire. Voilà. Franchement, belle surprise. Je ne pensais pas que c'était aussi bien une smartwatch. Moi, je dis, c'est un outil sympa qu'il faut avoir, simple d'utilisation. Il n'y a rien à faire. Alors après, on peut récupérer toutes ces données. Le battement de cœur, le pédomètre, etc. On peut récupérer tout ça sur le smartphone et faire plein de statistiques. Ouais, j'aime bien les statistiques.
Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Vous êtes convaincu par le produit. Moi, je gagne rien. J'ai pas passé de contrat avec Gearbest. J'ai absolument aucun contrat. Il m'envoie gentiment des produits. Celui-là, je vais le garder. Je vous le dis. Il sera très utile. Très utile. J'avais pas de montre, donc je suis super content. Donc voilà, moi j'ai rien à gagner, mais voilà, ils ont des prix. Profitez des coupons que je mets sur le site. Voilà, ça peut faire un bon cadeau de fête des pères. En plus, c'est pas extrêmement cher et ça marche plutôt bien. Bonne soirée.